Bonjour mes auditeurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui je vous fais une vidéo que j'avais envie de faire, que j'ai vue sur la chaîne de Brunel. Je sais plus son nom, Brunel. Brunel. Je crois que c'est Brunel. Ouais, c'est tout ce qui est marqué. Si j'oublie pas, je mettrai la chaîne en barre d'information. Elle a fait le TAC à apprendre à connaître lectrice, un truc comme ça. Du coup, me suis repris à la palle. Je regarde là, c'est parce que j'ai fait un papier avec toutes les questions. Du coup, voilà, j'ai même répondu au crayon pour pas me faire de bêtises, plus ou moins quoi. Comme ça, je me fais pas de. Ça, j'ai marqué au fur et à mesure. Voilà. Du coup, on va commencer tout de suite par la première question. Depuis quand lis-tu? Et quand as-tu commencé un blog, un YouTube, Instagram, tout ça? Du coup, depuis quand je lis? Ça va faire, je pense que ça va faire entre 2 et 3 ans que j'ai commencé à lire. Et depuis quand j'ai YouTube, enfin YouTube, ça va faire bientôt 3 ans. On va arriver à la barre des 3 ans. Et Instagram, je me suis mis à aller plus ou moins il y a un an. Plus ou moins, je prends vraiment un petit peu plus à cœur depuis quelques temps maintenant. J'essaie de vous mettre au fur et à mesure les livres que je lis et mon avis. Bon, c'est pas toujours clair et net parce que je marque j'ai adoré ce livre. Mais c'est compliqué d'écrire. Vraiment, je préfère vous faire en vidéo. Voilà. Deuxième question, quel est ton genre préféré? Bon, comme vous savez, pour le moment, c'est la romance. Vraiment la romance, de tout le genre. Adulte, voilà. Ici, je vous dis, j'ai commencé à lire du MM. On va voir. Pour le moment, c'est parti pour un coup de cœur. Il est presque fini, je vous tiens au courant. J'aimerais bien lire un FF, c'est femme-femme, comme ça vous savez. Si vous avez des recommandations, dites-moi en barre d'infos. J'ai pas encore d'idée. J'ai pas encore regardé non plus. Il faut que je regarde ça. La troisième, quelle est la pipite de ta bibliothèque? Ouais, j'ai pas de livre hardback qui fait toc-toc. Voilà, la couverture dure. J'en ai pas. Parce que je trouve que c'est cher pour un livre, souvent je prends en poche pour m'en acheter un peu plus. Voilà. Oups, je vais tomber mon machin. Je dirais les livres plus Disney qui font plus collection, ou comme celui-ci, c'est un toc-toc, je vais vous montrer, mais qui n'a rien à voir de. Mais c'est un livre quand même. Voilà. Ma plus belle de ma collection, on va dire un peu, c'est celui-là. Il fait 2 kilos. Voilà. C'est un livre le plus beau de ma collection, je pense, que je peux avoir. En tout cas, c'est Paris d'Aïssa. Je sais pas si vous connaissez. Hop, voilà. Les orang-outans. Ah, ça c'est mieux. Mes copains, les pandas. Ils sont trop beaux. Voilà. Il y a de la lecture aussi, hein, mais j'essaie de vous montrer des pages. Vous montrer des pages où il y a de la lecture. Regardez, voilà, là on a de la lecture, on va apprendre plein de choses, il y a plein de lectures comme ça. Voilà, vous voyez pas bien, mais il est tellement lourd celui-ci. Et voilà la pipite, on va dire une de pipites de ma collection que j'aime bien. Bon, j'espère qu'il va pas tomber. Voilà. Ouais, et les livres de Disney, parce que c'est des livres un peu plus jolis, je trouve. Voilà. Après, ton souvenir le plus cocasse en rapport avec la lecture. J'ai vraiment pas trop de cocasse à vous raconter. Moi, je peux vous raconter pour comment j'ai commencé à lire plus tôt. Je trouve que ça c'est beaucoup mieux. En fait, j'ai un jour. J'ai été voir mon papa, il était en vacances à la mer, et on s'est dit, oh, on irait bien une journée, et en même temps, on irait bouger à mon papa, quoi. Et du coup, on a passé la journée avec lui, et il était en train de lire. Cal. Oh, co ca oh,
Je vais chercher le nom. Je m'en fiche le nom. Calendrier Girl. Voilà. Et quand j'ai lu la quatrième de couverture, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas si c'était une quatrième de couverture, je me suis dit, ça l'est vraiment pas mal, ça me tente. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et je me suis pris le premier tome, le premier, c'est janvier. Voilà, et j'ai commencé à lire le premier. J'ai adoré, j'ai bien aimé. Puis j'ai commencé à lire février, tout ça. Et je ne sais plus à quel mois je me suis. J'ai eu des petits soucis de santé. Je travaillais et j'ai eu des grosses douleurs dans le bas du dos. J'étais restée bloquée. Du coup, j'avais fait. Parce que je travaillais à journée coupée. Je travaillais dans une école pour nettoyer. Je commençais à 7h dans une école pour finir à 8h, ouais, avant 8h30, 8h, un truc comme ça, pour nettoyer les classes au matin. Et puis je rentrais chez moi. Et ce jour-là, j'attrapais mal dans le bas du dos là-bas. Je suis restée coincée. J'ai fait mon travail. J'ai crié aïe tout. Mais j'étais toute seule dans le bâtiment, du coup, voilà. Et puis, ben, je suis rentrée chez. J'ai rentré chez moi, j'ai téléphoné au médecin. Il m'a appris presque directement, au lendemain. Du coup, je sais bien que j'ai travaillé au matin et puis j'étais. Et du coup, quand je suis arrivée, je lui dis, voilà, j'ai mal le bas du dos et tout ça. Il me dit, c'est pas bon signe ça. Et je dis, oui, mais je travaille après-midi. Je fais 15h, 5h, 5h, 5h30, je pense que je finissais. Et j'ai dit, oui, mais je fais quoi moi pour le travail? Il me dit, ah. Certificat? Oh non. Du coup, j'ai eu certificat interdit de bouger de mon lit. Moi, vivant plus ou moins seule, c'est compliqué. Du coup, ben, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai resté le plus longtemps possible dans mon lit, à part aller aux toilettes et me servir à boire. Et même le matin, mon chéri était là et me servait, prenait ma bouteille, il mettait un verre à côté de moi. Je dis oui, mais il faut quand même que je bouge un peu, quoi. Et du coup, ben, j'étais coincée complètement dans le lit. Et du coup, je les ai dévorés, ces livres, très vite. Je vous mettrai la couverture là du roman. J'ai adoré ces livres et je les ai lus. Mon père avait commencé avant moi, comme il les a avant moi. Et j'ai fini avant lui. Et je crois qu'il n'a toujours pas lu le mois de décembre. Ou no de novembre, décembre. Enfin, moi, j'ai lu les tous. Et franchement, j'ai adoré les livres. C'est une pépite. J'ai adoré. Voilà, on est sur la lecture. Un livre dans. Un type de livre à titre dans la vie. Ça, je sais pas. Je n'ai aucune idée. Quel rapport entretiens-tu avec ta palle? Ben, ma palle, elle est grosse. Je crois que j'ai la plus grosse palle du monde. J'ai passé 350 livres dans ma palle. Oui, je sais, c'est énorme, mais je m'en fous. Des commentaires qu'on va plus me dire. Parce que, en fait, quand j'ai terminé un livre, j'aime bien d'avoir le choix de lire. Et pour le moment, tout ce qui est dans ma palle me donne très, très, très envie de lire. Du coup, voilà. Le jour où j'ai des livres que je mettrai en vente quand ils me donneront plus envie. Voilà. Pour le moment, j'aime bien. Pour le moment, je ne vais pas vous montrer. J'ai un peu ici, que vous voyez. Un petit peu là. Là. Je touche pas. J'en ai sur une caisse là à côté. Derrière ma télé. Enfin, ma télé. Derrière vous, il y a une caisse où j'ai mis des livres. J'ai la desserte qui est là, mais qui est bombée du côté. Allez, 20 ce soir. Gogo. Je ne sais pas ce qu'il veut me dire. Enfin, soit, j'ai tout qui est plein, mais ça me dérange pas, moi. J'aime bien d'avoir mes livres à portée de main. Et voilà. Bon. Ouais, celle-là. T'as refaire ma. Ref. Ma refermant d'avis de lectrice. Je sais plus ça. J'ai mal écrit. Je sais plus me relire. Ma référence d'avis de lectrice, voilà. Je regarde pas trop de. Enfin, je regarde plein de youtubeurs et tout ça. Pour le moment, bah, tout le monde parle beaucoup de fantastique et je suis pas très fantastique. Ludo,
Si elle lui doit prends un livre et détends-toi, un truc comme ça, sa chaîne. Il parle beaucoup de romance, lui. Après, il y avait Brunel un petit peu, elle disait de la romance au tout début, maintenant elle dit du fantastique aussi. Fantastique avec de la romance dedans. Bah maintenant c'est un peu. Au pif en fait. Il y en a parfois, ils ont un lice. Et puis ben, quand j'en vois. Je me suis abonnée à plein de trucs sur YouTube. Enfin, YouTube, Instagram, comme. Hugo Poche. Du coup, à chaque fois que je vois un livre, je lis le résumé. Quand ça me tente, ben, je le mets dans ma palle. Et, enfin, dans ma palle, dans ma wishlist sur Amazon. Elle est en barre d'infos si vous voulez aller voir. Voilà, franchement, je n'ai pas trop de références pour l'instant sur ce qui est YouTube. Après, sur Insta, oui, j'ai une qui lit beaucoup de romances et qui me donne bien envie. Ah, il y a peut-être deux personnes, mais je ne sais plus leur nom. Voilà, mais franchement, voilà, je n'ai pas encore lu vraiment de livre inspiré de quelqu'un d'autre. Souvent, c'est moi qui pense, voilà. Ou quand je discute avec le groupe, comme Joyeux Suicide et Bonne Année, ça c'est mon groupe de lecture sur Facebook. J'ai un groupe de lecture, si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous rajouterai, pas de soucis, avec plaisir. Voilà. Le livre qui tente le plus, là, tout de suite. Le livre qui me tente le plus, il y en a deux en fait. Mais le problème chez moi, c'est que ça me fait peur. Vous allez comprendre pourquoi. Hop, je les prends. L'autre, il est là. Hop, il y en a un que je vous ai déjà parlé. Du coup, il y a celui-ci qui me tente absolument. Mais voilà, il fait presque 1000 pages. Il me tente à cause. Et c'est ça qui me fait peur. La longue. Enfin. Autant de pages. Ou celui-ci, Couplab, I Love You. Chez Hugo Poche, enfin c'est Hugo Poche, ouais, dans la New Romance, et il y a celui-ci. Celui-là, c'est chez Hachette, c'est Hachette Roman, je pense. Il me tente bien, je l'ai eu dans la box. Mais le problème, c'est que voilà, il est trop gros. Comment dit. Mais les deux qui me tentent là, absolument, c'est ceux de là pour le moment. Après, j'en ai d'autres qui me plaît absolument, qui me tentent absolument dans ma palle. Mais pour le moment, c'est ces deux-là qui sont toujours pas loin de moi, mais que je repousse à chaque fois. Voilà, il faut que je les lise. Mes gros bébés. Celui-ci, par contre, je ne sais pas combien il fait. Parce que quand je lis déjà un pavé de 500 pages, 700 et plus de 700 pages, j'ai déjà. Quand j'arrive aux 300 pages, j'en ai déjà ras-le-bol. Pas quand il y a une belle histoire, celui comme je lis. Mais enfin, à un moment, j'en ai marre de me dire, punaise, j'ai encore autant de lire. J'arrive jamais au bout. C'est pas le fait qu'il y a. C'était de. Voilà. J'aime bien arriver au bout d'un livre. Et quand c'est gros, ben, tu le vois moins vite arriver au bout. C'est ça, en fait. Voilà. Est-ce que tu planifies tes lectures? Oui et non, parce que je sais pas si vous avez vu sur YouTube, j'avais fait les 21 livres cette année, parce que je n'avais pas fait l'année passée, 21 livres pour 2021. Voilà, j'ai mon petit carnet qui est juste ici, que je marque dedans, hop, que je mets tout dedans. Mais pâle, voilà, pâle 2021, que je mets dedans et que parfois je pioche dedans. Voilà. Ici, pour YouTube, les 21 livres 2021, il m'en reste 17 à lire. Sur 21, souhaite. Et alors, j'avais fait la palle du printemps. Ici, j'ai mis été, il faudra que je change. Voilà, je ne sais plus combien de livres que j'avais mis dedans. Quand même pas mal. J'ai même pas mis 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai mis 20 livres dans la palle d'été. Ça fait beaucoup entre 2 mois, mais voilà.
Du coup, je ne sais pas. On fera un bilan bientôt hein, de ça. Voilà. Mais c'est plutôt des pioches que des pales parce que j'aime bien l'expression. Je ne sais plus qui l'a inventée sur YouTube, mais franchement, c'est le top. Une pioche, c'est top. Alors, quel est le plus grand rêve de lecteur? Bon, mon plus grand rêve de lecteur, ça doit être de vider ma palle. Ouais, je vois que ça en fait. Je vois pas ce qui marque. Et ah ouais, d'accord. C'est mon jeu. Je joue à un jeu et du coup il me dit 20 et je suis à 18. Ouais, ma palle. Vider le plus gros de ma palle. Voilà. Après de retourner, j'avais été faire qu'une fois. Aidez-moi. Une convention de LIF. J'aimerais bien retourner, mais avec les conditions de vie, j'ai pas pu. J'avais été l'année passée à Bruxelles, au Palais des Expos. J'avais bien aimé. J'avais pas vraiment rencontré d'acteur, d'auteur, parce que voilà, j'en connaissais pas. Maintenant, peut-être que s'il y a certains de mes coups de cœur sont là, pourquoi pas. J'aimerais bien aller voir chez Hugo Poche. Par contre, Hugo, c'est ma collection. Enfin, mes livres favoris pour l'instant. Voilà. Et ouais, pourquoi pas. Puis il y a quelques petits jeunesses aussi que j'ai lus et qui sont vraiment pas mal. Pulp Fiction. J'en avais lu 2-3. Ils étaient vraiment pas mal. J'ai bien aimé. Voilà. J'aimerais bien continuer dans ce genre de livre. Maintenant, je ne sais pas. Moi, ouais, voilà. Bon, du coup, je voulais mon petit carnet. Il venait de Primark. Il est rouge, voilà. Et normalement là il y a un bic et c'était oui il fallait mais il s'est cassé. Éteint, hop, voilà comme ça vous avez le bic dedans. Mais le bic je ne sais pas où il est. Voilà. Ouais. Maintenant est-ce que ma prochaine lecture aussi parce que moi je vais bientôt finir celui-là. Ouais, bientôt fini. Voilà, je vous ai fait le tag de lecteur. Si vous avez d'autres questions à me poser, mettez-le dans la barre d'infos. Je vous réponds avec plaisir et n'hésitez pas. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.